Cette semaine, nous allons te demander quand est-ce que nous commençons à souhaiter Ktiva Vachatima Tova? Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. À partir de Rosh Chodesh Elul, la coutume est de se souhaiter une bonne et douce année en disant la phrase Ktiva Vachatima Tova Leshana Tova Umetuka. Que nous puissions être écrits et scellés pour une bonne et douce année. On commence à se souhaiter depuis le 15 Av, mais dès le premier jour du mois d'Elul, ce souhait s'intensifie car nous commençons à faire Teshuvah. Lorsque nous nous souhaitons cela mutuellement, nous entraînons que nous serons tous bien écrits et scellés dans le livre de la vie. Ces mots ont été mis dans un nigoun de Simchat Torah par le Gan Israël de Detroit et ainsi devint un joyeux nigoun. À la fin du Gan Israël, certains enfants sont venus au 770 et ont chanté ce nigoun devant le rabbi. Le rabbi a encouragé le chant en agitant ses saintes mains et depuis cela, ce nigoun est devenu un des nigounim chassidiques que l'on chante à l'approche de Rosh Hashanah. Dans cette vidéo, nous voyons comment le rabbi encourage fortement ce nigoun lors d'un rassemblement d'enfants de Tzivot Hashem. Bien qu'il reste encore un mois pour Rosh Hashanah, nous commençons malgré tout à se souhaiter Ktiva Vachatima Tova Leshana Tova Umetuka. Car nous exprimons par cela notre certitude que chaque juif recevra toutes les brachot dont il aura besoin. Chaque enfant de Tzivat Hashem doit souhaiter à ses amis Ktiva Vachatima Tova et c'est sûr que la nouvelle année sera remplie de bénédictions et de douceur. La question de cette semaine est quand est-ce que nous commençons à souhaiter Ktiva Vachatima Tova? Dans la vidéo numéro 50, la question était comment le jeune Bachour a-t-il pu influencer le juif sans même l'avoir rencontré? La bonne réponse est l'homme a vu le Bachour habillé comme un chassid. La gagnante de cette semaine est Rani Zikri de Paris. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur monrabbi.org. Mazal Tov et joyeux anniversaire! Pour annoncer ton anniversaire, envoie ton nom sur monrabbi.org.